Bonjour et bienvenue sur Elilou Crochette. Aujourd'hui, devinez ce qu'on va faire. On va découvrir un nouveau point. Alors, ce point s'appelle le point Monique. Facile à retenir. Et vous pouvez voir qu'il est super joli. Double face. Impeccable. Et on peut faire plein de choses avec. Voilà. Un petit peu de relief, vous voyez ? Mais c'est très sympa et très 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 facile à faire. Parfait pour les butants et intéressant pour les confirmés. C'est toujours un point qu'on peut apprendre. Donc vous voyez au niveau apparence, ça donne, vous voyez à peu près ça. Ça se croise en fin de compte, ça part en biais, mais vous allez voir la construction. Allez, on y va. Pour réaliser donc ce point Monique, c'est un multiple de 3. Plus 2 mailles pour faire les mailles lisières, ce qu'on appelle sur les côtés. Donc par exemple, pour la vidéo, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Multiple de 3. 12 mailles en l'air. Quand vous avez fini le nombre de mailles en multiple de 3 que vous avez besoin, vous rajoutez 2 mailles en l'air. Pour les points de travail à plat, c'est-à-dire pour des créations, un pull ou autre à plat, vous mettez les 2 mailles pour faire les côtés. Si vous travaillez en rond, ce n'est pas la peine. Après, à vous d'adapter. Hein? Donc, multiple de 3 plus les 2 mailles qu'on appelle lisières. À partir de là, c'est très facile. Vous allez faire 2 mailles en l'air. Et à la troisième maille, ici en partant du crochet, vous allez faire une demi-bride. C'est pour ça qu'on fait que 2 mailles en l'air. Demi-bride, on fait toutes les boucles en même temps. Vous sautez une maille. À la deuxième, vous allez faire une maille serrée, une maille en l'air, et dans la même maille, une bride. Et à partir de là, tout le long, vous allez sauter 2 mailles. 1, 2, vous allez à la troisième et on recommence. Une maille serrée, une maille en l'air, une bride dans la même maille. 1, 2, à la troisième, une maille serrée, une maille en l'air, une bride dans la maille. 1, 2, et on recommence à la troisième maille. Maille serrée, maille en l'air, la bride. Vous voyez que c'est vraiment pas compliqué. Quand vous arrivez au bout, vous sautez une maille et quand vous êtes donc à la dernière maille, vous faites tout simplement juste une maille serrée. Donc vous avez remarqué que aux extrémités, c'est qu'une maille qui sépare le premier. Ici on a fait qu'une maille en l'air, là on en a fait 2. Voilà, donc vous voyez, c'est plutôt sympathique. Au rang numéro 2, alors vous allez voir, il n'y a pas 50 rangs de répétition. Vous faites 2 mailles en l'air, vous tournez dans la même maille, donc là où je suis, la première, enfin, vraiment la première, là où je suis. Je fais une demi-bride, comme tout à l'heure. Vous voyez, ça ne change pas. Et ensuite, on va travailler dans la petite... Vous savez, on a fait une maille en l'air au milieu à chaque fois. Ben, on travaille avec la maille en l'air, c'est-à-dire dans le creux, dans l'espace, ici. Vous voyez, ici on a fait la maille serrée, là on a fait la bride, on travaille dans l'espace. Là aussi. Et on fait exactement pareil. C'est-à-dire que dans cet espace-là, on fait une maille serrée, la maille en l'air et la bride. Dans l'espace ici, la petite maille en l'air qu'on a créée, pareil, on rentre. On fait la maille serrée, la maille en l'air et la bride.
Repérez-vous à l'abri de ce que vous avez fait ici. La maille serrée. Je prends du fil, ça aide. La maille en l'air. Et la bride. Voilà. Et là, vous avez tout sur le point monique. Vous avez vu, hein? C'est hyper simple. Quand vous arrivez ici, rappelez-vous, on a fait, quand on regarde bien, on a fait deux mailles en l'air. Les deux sont là, les deux petites mailles en l'air. Mais à la deuxième, une, deux, ici, vous rentrez et vous faites tout simplement une maille serrée. Vous voyez que ça ne change pas. On commence toujours par deux mailles en l'air, une demi-bride, et on finit avec une maille serrée. Et ça, c'est le point monique. Je vous refais voir encore un rang, mais c'est à l'identique. Les deux mailles en l'air, je tourne dans la même maille, ici, hein, dans cette maille-là, vous voyez, dans la même, hein, je vais faire ma demi-bride. Et après, toujours pareil, vous voyez dans l'espace que j'ai créé, je fais une maille serrée, la maille en l'air et la bride. Et voilà. C'est hyper, hyper facile. Pour les débutants, c'est parfait. Pour faire même ceux qui sont confirmés, hein, ça fait quand même un point sympa. Mais pour les débutants, on travaille des points faciles, hein, et ça fait, on va dire, un motif sympathique, hein, pour un pull, un snood, ce que vous voulez, hein, voilà. Après, en fonction de la laine que vous choisissez, donc vous voyez la maille en l'air, la maille serrée, la maille en l'air et la bride. Voilà. Et quand vous arrivez ici, toujours pareil, vous avez vos deux. Regardez ici, vos deux mailles en l'air, vous piquez dans la deuxième, celle qui est en haut. Moi, je glisse à chaque fois. Et vous faites la maille serrée. Regardez-moi ce joli petit point. Enfin, vous l'aviez vu, mais... Moi, je l'aime beaucoup. En plus, si vous regardez, donc ça, c'est le devant. Hein, on se repère toujours avec le petit fil qui est à gauche, ça c'est le devant, et regardez l'arrière, il est identique. Donc je veux dire, recto verso, c'est génial, même pour une petite couverture, pour un bébé, enfin, ça après vous vous adaptez. Donc vous voyez, c'est vraiment d'une facilité super jolie. Alors, je vais agrandir un petit peu pour que vous arriviez à mieux voir au niveau surface. Donc continuez, on se retrouve voilà avec quelques rangs supplémentaires. Et voilà ce joli petit point quand on fait un peu plus d'épaisseur. Très sympathique. Voilà. Mais bon, vous l'aviez déjà vu. Hein? Donc, franchement, mettez-le de côté dans votre liste, hein, dans votre répertoire de points, parce qu'il est vraiment sympathique et il est fermé, donc vous pouvez l'utiliser pour un pull pour les saisons hiver-automne. Hein? Couverture, hein, accessoires. Hein? Voilà, il y a de quoi, hein, de quoi faire avec ce joli point monique. Et bien écoutez, merci, hein, toujours de me suivre, hein. Et puis je vous dis à bientôt sur les vidéos de création à venir avec des jolies surprises. On continue toujours avec les points et plein d'autres choses. Voilà, allez, à bientôt sur Elie le Crochette.